Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'on va faire? Toi, tu sais comment c'était? Aujourd'hui, ça va être une vidéo assez simple où j'ouvre juste mes calendriers de l'avant. Voilà, genre un jour sans deux parties dans la vidéo, etc. Donc let's go, c'est parti. On va voir ce que j'ai aujourd'hui. N'est-ce pas, Coro? À chaque fois, je vais ouvrir celui de chez Typologie en premier. En vrai, j'ai trop hâte de voir ce que je vais avoir. Et il y a des caisses qui se sont barrées. Ça commence plutôt mal. En vrai, j'espère que ça va être mieux qu'hier. Enfin, vous savez, dans la vidéo d'hier, j'ai eu un problème avec le produit, mais je l'ai réparé. En fait, c'était bloqué la pipette. Et c'est pour ça en fait que j'arrivais pas à retirer le produit. Mais ça s'est arrangé. Donc, c'est bien. Donc, aujourd'hui, on est le jour 11. En vrai, ce qui est bien avec le calendrier de l'Avent, c'est que les jours, j'ai l'impression, ils passent super vite. Est-ce que vous avez trouvé la case numéro 11? D'ailleurs, dites-moi en commentaire, vous avez demandé quoi, genre pour Noël? Alors, voyons voir. Ceci est la case numéro 11. En vrai, je sais pas ce qu'on peut avoir. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que j'ai fait le tour, mais il reste encore plein de jours. Donc, je sais pas ce qu'on pourrait avoir dans les produits typologie. On a eu des sérums pour les cils, on a eu des trucs pour les rides, pour les cernes. En vrai, je me demande, je pense que ça doit être encore un sérum. Mais un sérum à quoi? À moins que c'est une huile teintée. Oh, en vrai, ça serait bien une huile teintée. Ah, je crois que c'est un sérum. Alors, voyons. Oh! Alors, c'est quoi un exfoliant et un astringent? Acide glycolique. Ok, d'accord. En vrai, c'est bien parce que je vais me faire la panoplie des sérums de chez Typologie. Donc, ok, ça, on peut l'appliquer 2 à 3 gouttes sur le visage le soir uniquement. Ah ok, donc c'est vraiment un truc à faire le soir. Bien. En fait, j'ai pas beaucoup de produits vraiment qui sont que pour le soir. Donc c'est plutôt pas mal d'en avoir un finalement, en plus. Je pense que dans quelques jours, je vous ferai une vidéo genre en mode un peu cocooning, night routine, etc. Genre de mes soirées, genre qu'est-ce que je fais en général. Ça pourrait être cool. Et du coup, bon, bah voilà le produit que j'ai aujourd'hui. On passe à celui au chocolat. Il y a un truc qui est tombé. Ça vient d'un des trucs... Ah mince. Je viens de me rendre compte d'un truc. J'ai oublié de mettre ça dans l'un des cadeaux que j'ai fait à mes grands-parents. Parce que du coup, je leur offre des bougies trop mignonnes qui viennent de chez Pomme Mart. C'est la collection Dimo. Mais j'ai oublié de mettre ça dedans. Va falloir que je rouvre mon paquet. Bon, c'est pas grave. Du coup, on va ouvrir le Milka. Et on va voir ce qu'on a aujourd'hui. On est la case. On est le jour 11. En vrai, à chaque fois, je galère. Je sais pas s'il y a d'autres personnes qui galèrent autant que moi. Mais je passe ma vie à galérer à trouver des cases. Alors, je sais pas, genre, ça prend 2 secondes. La case numéro 11. Je la trouve pas. Et bah, en fait, je pense que elle va rester. Ah non, c'est bon! J'ai trouvé. Ok, on va ouvrir et on va voir ce que j'ai. Oh, j'ai un traîneau. C'est trop mignon. J'ai un petit traîneau. C'est pour le Père Noël. Pour qu'il aille donner les cadeaux de Noël aux enfants. À ceux qui sont sages, bien évidemment. Trop bon. Ensuite, on va passer par celui de chez Yepoda, qui est vraiment à chaque fois beaucoup trop grand. À chaque fois, je galère à le porter. Il est gigantesque. Mais en vrai, dedans, il y a plein de produits assez cool. Alors, où se cache la case numéro 11? Est-ce qu'elle est grande ou est-ce qu'elle est petite? Est-ce que quelqu'un la voit quelque part? Ah, c'est bon, moi j'ai trouvé. Qu'est-ce qu'on va avoir aujourd'hui dans la case numéro 11? Je pense que ça doit être un produit. Alors il y a écrit Glow Away Today. D'ailleurs j'ai testé plusieurs produits qu'il y a dans mon calendrier de l'Avent. Et franchement ils sont incroyables. Je pense que ça doit être... C'est quoi? The Make My Day Cream. Je pense que ouais c'est une crème de jour. Ou pas? Attendez c'est quoi? Non c'est un nettoyant? Attendez on va regarder ça. Moi et mon anglais qui m'aide pas du tout. Faut que j'arrête d'être aussi claquée au sol en langue. J'ai l'impression qu'il y en a, ils ont vraiment un talent pour parler anglais. Et moi non. Alors qu'est-ce que c'est? Mais si c'est une crème pour... Ok si d'accord. C'est ça en fait qui porte à confusion. Mais en fait c'est parce que ça va mettre après le nettoyant. Mais du coup ouais c'est une crème de jour. Il me semble. Attendez, on va regarder vite fait. Est-ce que ça va sortir?
Comme ça, genre, je vais être fixée. Oui, c'est une crème. Attendez, quoique. Le moment de doute. En étape 5. Oui, c'est une crème. En vrai, le produit... J'aime beaucoup le packaging. Et en vrai, c'est cool à chaque fois qu'ils mettent les étapes. Genre, à quel moment, genre, faut le faire. Donc là, c'est la cinquième étape. Ensuite, on passe au dernier. Donc, celui de chez Cosmeti. En vrai... J'adore leur thé. Je le dis à chaque fois, à chaque vidéo, mais j'aime beaucoup trop. Il est trop bien. Regardez-moi ce calendrier de l'Avent. Il est magnifique. En vrai, faudrait que je le mette sous mon sapin de Noël. Ça peut être très beau comme décoration. La case numéro 11, elle est ici. Alors, voyons voir quel genre de thé on va avoir aujourd'hui. Hier, on a eu du gingembre. Je l'ai toujours pas bu. Mais il faut que je le bois. Mais en vrai, c'est... Je sais pas, le gingembre, c'est vraiment pas ce que je préfère dans le thé. Je pense qu'on va être tous nos goûts. Alors voyons voir. Ah, celui-là il a l'air bien. Ok, c'est le Be Cool. Comme ça on est super cool. C'est le mélange de plantes de menthe poivrée, de verveine et de réglisse. Ça en vrai j'aime bien. Bon, le réglisse aussi c'est pas genre celui que j'aime le plus en thé, mais j'aime bien quand même. Donc ça peut être pas mal. Voilà à quoi il ressemble. Voilà ce que j'ai eu aujourd'hui dans mon calendrier de l'Avent. D'ailleurs, je pense que le 25, je vous ferai une vidéo où je vous montre les cadeaux de Noël que je me suis offert et ceux que j'ai reçus. Car oui, je trouve ça important de se faire plaisir à soi-même. Parfois, pour pas être déçu, on n'est pas obligé d'attendre que ça soit quelqu'un qui nous offre quelque chose. Donc moi, j'ai décidé de m'offrir genre plein de trucs que je voulais et... Là, je suis en train de recevoir parce que j'ai commandé sur internet, j'ai des trucs que j'ai pris en boutique. Mais j'ai plusieurs cadeaux et je me suis dit pourquoi pas vous les montrer en vidéo. Genre les achats que j'ai fait. Comme ça, vous pourrez voir un peu ce que je me suis fait comme cadeau qui vient de moi. En vrai, c'est très drôle parce que je me vois trop le 25 faire « Oh, merci, un cadeau. Ça vient de qui ? Oh, mais ça vient de moi !» Enfin bref, ça va être cool. Enfin, je sais du coup directement ce que je vais avoir. Mais je suis quand même impatiente de les ouvrir. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous avez eu dans vos calendriers de l'Avent. Et moi, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo où on ouvre du coup les calendriers de l'Avent.